Alors, je vais vous montrer comment réaliser des diminutions. Pour cela, je vais commencer par des diminutions inclinées à droite. Donc, pour réaliser des diminutions inclinées à droite, c'est simple. Pour cela, par exemple, on fait deux mailles. Ensemble, deux mailles. Genre. On fait trois mailles à l'endroit. Pour faire donc une diminution inclinée à droite, je viens tricoter deux mailles, ceci, deux mailles ensemble à l'endroit. Incliné à droite, deux mailles ensemble à l'endroit. D'accord? Et je fais quelques mailles à l'endroit et on va faire donc on va faire une diminution inclinée à gauche. Cette fois-ci, on va pas changer l'orientation des aiguilles. On garde la même orientation et ce que je fais, je pique simplement comme ceci. Vous pouvez voir la différence. Là, on est incliné à droite et ici, on est incliné à gauche. On va refaire. On fait une maille, d'accord? Incliné à droite. On fait ceci, tricote deux mailles inclinées à droite. On va refaire deuxième, cette fois-ci inclinée à gauche. On fait simplement ceci. On incline à droite, à droite et à gauche. Voilà comment réaliser des diminutions inclinées à droite et à gauche.